l'école, je sais quand même faire la différence entre des mammouths et des Giacometti. Écoute, Anatole, tu me dis 16h au musée Malraux pour y voir une exposition de Giacometti. J'y suis, il n'y a que des mammouths. Attends, je demande. Excusez-moi, au premier étage, y a-t-il une exposition? Oui. Des Giacometti? Non, des mammouths. Au deuxième étage aussi? Oui, c'est des petits mammouths. Merci. Non, ce sont des petits mammouths. Je n'en sais rien. Non, je veux dire, pourquoi c'est moi qui aurais dû vérifier si... Écoute, Anatole, je ne sais pas, je ne suis pas président de la République. Quoi? Attends, une seconde. Pourquoi vous exposez des mammouths après Giacometti? Pour changer, madame. Pour changer? Quoi? Non, c'est ce qu'on vient de me dire, pour changer. Bon, ok, tu ne viens pas? Ok, on se rappelle plus tard. Oui, au revoir. Merci. De changer, c'est changer. Faire la cuivre. Le monde à la place. Vous voyez? Je vois, oui. Ça m'étonne. Moi aussi. Personne ne voit. Quand on n'a pas travaillé, on ne peut pas se rendre compte. Du musée? Oui. Personne ne peut. Du bord devant, du bord derrière, du bord où que vous tournez vos yeux, vos pieds, vos épaules, votre ventre. Du beau et du charme en plus. Exact. Souvent du charme en plus. Du sol au plafond. On va avec du soeur mentale dans la sensibilité. On est bien d'accord, Robert? C'est sûr. La sensibilité, c'est 80% de notre environnement. 90, Robert. 90. À ce point, vous réalisez ce que c'est que d'être du soir au matin devant Goya, Rodin, Eugène Boudin, ou même devant un petit vase romain, grand comme ça. Ça range pareil. Dès que c'est beau, ça range. Quand on visite, on ne s'imagine même pas un instant. Personne ne peut. On pourrait même penser que vous êtes des privilégiés par rapport, je sais pas moi, au postier. Postier, madame, c'est de la rigolade! Elles sont en table les œuvres d'art. Un délacroix d'un centimètre sur deux, c'est désagréable, mais ça ne vous dérange pas. Tandis que nous, quand on sort d'ici le soir, on a du mal à acheter un paquet de cigarettes ou à boire une bière, comme les postiers. On ne sait plus bien où on est, où on va. Qui sont les gens de la rue avec des imperméables? C'est ça. On ne sait plus ce qu'est un imperméable. Et surtout la personne qui est dedans. On s'en fout de l'imperméable. On est bien d'accord, Robert? On est d'accord. On ne sait plus qui est l'homme dans l'imperméable quand on a trop longtemps gardé Man Ray ou Soutine. Ou le Gréco. Moi, c'est sûr que le Gréco qui m'abîme. Le Gréco vous abîme? Il me tape, il me frappe le Gréco, il me retourne profond. Bien sûr. Sans comme de l'amour. Ça vous bouffe l'amour. Vous voulez dire? Quand vous arrivez, pendant 6 mois, comme ici en 2002, plus de 610 exposés partout. Délicieusement allergique, botaniste à la fesse mouleuse. Mais nous sortons de l'eau. Non, voilà vos rubis comptes. Viens, donnons le sein. Au fond, le sein, irrésistible le sein. Dessiné par Bellini, Crana, Le Tintoré et Véronèse. Ah si, Véronèse. Excusez-moi, Véronèse. Ah! 3 mois, non-stop, entouré de nuits adorables qui ne vous quittent pas les yeux et s'offrent à vous un cadeau doré. Alors, quand vous rentrez à la maison, votre compagne, elle fait fade, forcément. 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 Il y a plus de 60 de divorces dans notre amitié, il ne faut pas l'oublier. Le double de la moyenne nationale, c'est effrayant. Alors, Dieu sait si on fait attention. Dès qu'il y a la moindre exposition, genre Bacchanal, Hammam ou Rubens. Surtout Rubens, le salaud. On se débrouille pour prendre nos congés annuels. Seulement, bien sûr, on ne peut pas tous partir en même temps. Alors, il y a toujours 2 ou 3 qui traînent. Comme moi, par exemple, l'année dernière. Robert, c'est juste Vivienne, c'était pas une perte. On est bien d'accord? On est d'accord. Je dirais même que Véronèse est enlevée une grosse épine du pied. On est d'accord. Mais enfin, Robert, c'est l'exception qui confirme la règle. Mais soyons honnêtes, Vivienne, c'était pas un commissaire. Et tu peux dire merci, Véronèse. Et à part Robert, on souffre tous beaucoup. Ok ou pas ok? Ok, ok. Et qu'est-ce que vous croyez? Je ne suis pas au paradis, moi non plus. Véronèse, l'année dernière,
il y restait 3 mois, pas un jour plus. 29 octobre, 29 janvier. Et puis, rien, le désert, ok? Ok. Excusez-moi, mais le droit du travail, vous n'avez aucune protection? Les syndicats ne vous ont pas permis de... Rien. Les pétitions circulent depuis des années pour réclamer de la médiocre et rien.